Cette vidéo est extrêmement importante car elle contient les notions clés du langage JavaScript. Ces notions-là, tu les connaîtras toutes après avoir vu ce tutoriel. C'est la troisième partie de notre série sur JavaScript. Si tu n'as pas vu les précédentes, le lien de la playlist est en description. Le premier concept qu'on va aborder, c'est celui des conditions. Donc les conditions, ça va simplement déterminer si oui ou non on va effectuer une certaine instruction. Imaginons par exemple que dans notre programme, on est console.log de exécuter, par exemple. Donc là, on va afficher dans la console le mot exécuter, tout simplement. Maintenant, on va rajouter une condition. Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé if. Donc en anglais, ça veut dire si. Donc si une égalité est vraie, par exemple 1 égale 1, donc là j'ai mis 2 égale parce que si on en met qu'un, c'est pour assigner une valeur à une variable, comme on l'a vu dans les tutoriels précédents. Et quand on en met 2, là c'est vraiment pour vérifier si quelque chose est équivalent, c'est vraiment le vrai égal comme en mathématiques. Quand il y a 1 égal, c'est pour assigner une valeur à une variable. Et quand il y en a 2, là c'est vraiment le vrai égal pour vérifier une égalité. Donc ensuite, on va utiliser, comme sur les fonctions, des accolades pour mettre notre bloc d'instruction. Et là, on va remettre donc notre console log. Autrement dit, ce qu'on fait là, c'est si 1 égale 1, eh bien on affiche exécuter. On va voir donc, on a bel et bien le mot qui s'affiche. Maintenant, si jamais je change la condition et que je mets à la place 1 égale 2, 1 n'est pas égal à 2, donc que va-t-il se passer? Absolument rien. La ligne 3 n'a pas été exécutée, donc le mot n'a pas été affiché. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à JavaScript, si telle condition est vraie, eh bien tu nous fais ça. Et étant donné que là, la condition n'était pas vraie, eh bien l'instruction n'a pas été exécutée. On peut même en mettre plusieurs. Donc là, pareil, c'est faux, donc on n'obtient rien. Par contre, si jamais on met une condition vraie, là, on peut mettre par exemple si A égale A. Donc voilà, ça revient à même, sauf que là, on a pris des chaînes de caractères. Mais c'est aussi équivalent, donc ça devrait fonctionner. Et là, on a bel et bien les instructions qui sont exécutées. Mais donc, si jamais la condition est fausse, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer à la suite du programme. Donc là, je vais mettre par exemple suite. Et ça, là, on est en dehors de la condition, on est bien sorti du bloc d'instructions. Le if commence là, on a la condition ici. Là, on a les instructions si jamais la condition est vraie. Et ensuite, là, on est sorti. La ligne 10, elle n'a rien à voir avec la condition cette fois-ci. Donc là, on va exécuter. A égale A, donc on a bien nos 4 console log, puis suite. Maintenant, si jamais je mets quelque chose de faux, ce qu'il y a dans la condition, dans le bloc de la condition, n'est pas exécuté. Par contre, ce qu'a ligne 10, c'est en dehors de la portée du if, c'est exécuté quoi qu'il arrive. Et donc, cette condition, finalement, ce qui se passe, c'est qu'elle renvoie une valeur. Par exemple, là, je parle de ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc là, on a par exemple A égale B. Ça, c'est vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Donc, en fait, ça va renvoyer une valeur et ça va renvoyer false. Et donc, c'est ça au final qu'on aura dans la condition. On a quelque chose qui vaut false. Parce que là, imaginons que je veuille juste afficher A égale B. Donc, toujours avec le double égal pour vérifier une égalité. Eh bien, ça ne nous affiche pas A égale B, ça nous affiche directement le booléen qui correspond. En l'occurrence, false. Donc, les booléens, c'est soit true ou false, soit vrai ou faux. Imaginons maintenant que je mette A égale A, ça nous affiche true, tout simplement. Donc, finalement, quand on vérifie une égalité, derrière, ça renvoie en booléen. Et donc c'est pareil ici, si dans la condition je mets directement vrai, donc true, et bien la condition est forcément vraie. Donc pareil, on exécute. Et si je mets false, et bien faux, c'est forcément faux, donc pareil, ça n'est pas exécuté. Maintenant, avec les conditions, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire en sorte de prendre plusieurs cas. Donc par exemple, imaginons ici qu'on ait une personne. Cette personne a un âge, on va mettre âge personne. Et cette personne a par exemple 23 ans, imaginons. Donc là, on va prendre l'âge de cette personne, on va vérifier s'il est égal à 23, et dans ce cas, on va pouvoir mettre vous avez 23 ans. Et là, c'est bien exécuté. Maintenant, si je modifie l'âge, on va mettre 22. Là, c'est pas exécuté. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir prendre donc l'autre cas grâce au mot-clé else. Donc else, sinon. Donc si, sinon. Et donc là, on va mettre console.log. On va afficher à la place vous n'avez pas 23 ans. Et là, si on exécute, eh bien, c'est bien celui-ci, donc ce bloc-là, qui contient console.log, ici à la ligne 8, qui est exécuté à la place. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, on va avoir une instruction qui sera exécutée. Soit dans le if, soit dans le else. Enfin, d'abord, il vérifie le if, la condition ici. Si jamais cette condition est fausse, il n'exécute pas ce qui se trouve là-dedans. Mais à la place, il va exécuter ce qui se trouve dans le else. Et à l'inverse, si la condition est vraie, il exécute ce qu'il y a dans ce bloc-ci. Et il n'aura pas besoin d'exécuter ce qu'il y a dans le else. Il ne fera pas. Donc, dans tous les cas, il va choisir une des deux solutions. Imaginons donc qu'on ait une fonction. Cette fonction, on va l'appeler par exemple videur. Et donc, on peut lui passer un âge. Donc là, pareil, on va mettre donc les instructions de la fonction. Et là, on va pouvoir utiliser des conditions. Donc imaginons, on va mettre if. Si l'âge est inférieur, par exemple, à 18, on va afficher recalé. Autrement, on va afficher tu passes. Et donc, ce qui est bien, c'est que cette fonction-là, on va pouvoir lui passer maintenant un âge. Donc imaginons notre personne de tout à l'heure. On va lui donner un nom. Tiens, on va l'appeler, allez, Jean. Jean, il a 22 ans. On va lui passer donc, on va passer son âge au videur. Et le videur lui dit tu passes. Maintenant, si Jean a rajeuni et il n'a que 17 ans maintenant, eh bien, il se fait recaler, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé autre chose que les doubles égales. J'ai utilisé donc le symbole plus petit que.
Donc ça, on est habitué à le voir par exemple en mathématiques. Et bien là, c'est exactement le même principe. J'aurais pu mettre aussi plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, et ainsi de suite. Et un autre qu'on n'a pas encore vu, c'est différent de, voilà. Donc là, c'était égal, voilà, donc là, c'était égal à, et là, c'est différent de. Donc dans ce cas-là, ça fera par exemple, si jamais l'âge est différent de 18, il est recalé, sinon il passe. Là, en l'occurrence, l'âge est différent de 18, vu qu'on a mis 17, donc il se fait recaler. Par exemple, si je passe 18, eh bien, il passe. Donc voilà, ces différents opérateurs qu'on a à disposition. Mais là, on voulait vérifier, par exemple, voilà, si jamais il a le droit de rentrer ou pas dans la boîte, imagine. Donc, s'il a moins de 18 ans, il se fait recaler. Et autrement, donc ça voudrait dire si jamais il a 18 ans ou plus, eh bien, il passe, simplement. Donc, on peut vérifier les différents cas. Si jamais il a 15 ans, si jamais il a 18 pile, et si jamais il a plus, donc imaginons 64 ans. Là, au début, il se fait recaler, ensuite, il passe. Parce que là, c'est strictement plus petit. Donc, s'il a 18, c'est pas plus petit que 18, c'est égal. Donc, ça rentre pas dans cette condition, ça passe dans le else. Et pareil, 64, c'est bien au-delà, donc ça va dans else également. Bref, donc ça, c'est juste un exemple. On peut vérifier donc pas mal de choses. Là, on a vérifié le contenu d'une variable qui a un nombre et on l'a comparé à un autre nombre. Donc, ce qu'on fait ici, finalement, c'est une comparaison. On aurait pu faire ça avec des chaînes de caractères ou même des booléens, par exemple. Si jamais je prends true et je regarde si true, c'est égal à true, et bien là, forcément, ce sera le cas. Donc, c'est bien la première instruction qui est exécutée. Maintenant, si je prends true égal false, et bien forcément, c'est faux. Donc là, c'est le else qui a été exécuté à la place. Donc finalement, on avait ce schéma-là. Donc si la condition est vraie, on fait ci. Si la condition est fausse, on fait ça. Donc ça, c'est si le if est directement vrai. Sinon, ça, c'est le else. Maintenant, on va voir les listes. Donc les conditions, c'était une structure de contrôle, c'est-à-dire pour modifier le flux de contrôle. Donc normalement, les instructions sont lues de manière séquentielle. Donc en gros, de haut en bas, une à une, première ligne, deuxième ligne, etc. Et avec les conditions, on fait en sorte qu'il y a certaines lignes qui ne soient même pas lues. Donc on modifie le flux de contrôle. Donc c'est une structure de contrôle. Et donc la liste, c'est complètement différent. Ça, c'est un type de données. Type de données complexe. En l'occurrence, on a vu les types simples. Donc chaîne de caractères, nombre, booléen, comme on vient de les revoir là d'ailleurs, nul, undefined, etc. Et là, on va voir les listes. Donc c'est un type complexe, c'est-à-dire qu'il peut contenir d'autres types. En gros, c'est un élément qui va contenir d'autres éléments. Par exemple, on va créer une liste ici. On va l'appeler liste, par exemple. On va définir avec des crochets, donc. Et on va mettre à l'intérieur nos différents éléments. Donc on peut mettre, par exemple, un nombre, on peut mettre une chaîne de caractères, on va mettre ici arbre. On peut mettre un booléen, par exemple, false. Un autre booléen, par exemple, 5 égale 5, comme on l'a vu. Donc ça, par exemple, ça va renvoyer true, donc un booléen finalement. On peut mettre, par exemple, nul. On peut mettre même undefined. On peut mettre une autre chaîne de caractères, par exemple, une chaîne vide, donc juste des guillemets, qui contient rien. Une liste, ça sert à ça, ça sert à regrouper plein d'éléments. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir accéder à ces éléments. Donc déjà, on va pouvoir l'afficher. On va regarder à quoi ça ressemble. Si on prend tout, donc toute la liste, ça nous renvoie bien. 123, la chaîne de caractères, booléen. Donc là, 5 égale 5, comme on a dit, il a directement calculé. Il a fait la comparaison et il a trouvé directement le booléen qui correspond. Ensuite, nul, undefined, la chaîne vide, donc juste les guillemets, etc. Maintenant, comme on le faisait pour les chaînes de caractères, on pouvait accéder à un caractère en particulier. Là, c'est exactement le même principe. On va pouvoir accéder à un élément en particulier. Imaginons, là, on a toute la liste. Imaginons qu'on veut juste récupérer le mot arbre. Donc, pour ça, il va falloir qu'on plonge un petit peu dans la liste. Donc, grâce aux indices, donc encore une fois, ça s'accède avec des crochets. On va mettre l'indice, donc le numéro de l'élément dans la liste. Donc arbre, si on compte, c'est le second élément dans la liste. Et donc l'indice, c'est, comme on l'a dit, on commence à compter à 0. Donc finalement, l'indice, c'est 1. Voilà, il faut prendre en compte le décalage. Donc on va mettre indice 1 pour avoir le deuxième élément de la liste. En l'occurrence, notre chaîne de caractères arbre. Et si on l'affiche, on a bel et bien arbre. Magnifique. Donc là, il nous l'affiche bien sans les guillemets, etc. Maintenant, si on veut prendre par exemple, ici, on va aller chercher undefined, eh bien, on va compter, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, on va prendre directement 5, on exécute, et là, on a bien undefined. Pareil, si on veut prendre ici le booléen 5 égale 5, on va aller donc 0, 1, 2, 3, 3, et là, il nous renvoie directement le résultat, le booléen, donc true. Et donc, l'avantage, c'est que grâce à ces données, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, imaginons là, on a par exemple un nombre, donc on va pouvoir faire un calcul. Donc, par exemple, on peut venir afficher directement 57 plus 123, donc on va aller le chercher dedans. Donc, vu que c'est le premier élément, comme on a vu, c'est indice 0. Et donc là, on peut venir afficher tout ça. Donc il va directement le calculer et il nous renvoie donc 57 plus liste 0, donc 123. 57 plus 123, 180. Pareil, on peut venir afficher une concaténation, par exemple. Donc quand on met à la suite deux chaînes de caractères, on va prendre par exemple une chaîne, on va mettre ceci est un, on va laisser un espace. Et là, on va venir récupérer le mot arbre. Donc on va prendre liste, le second élément, donc indice 1. Là, on referme, on peut exécuter, et là, on a « ceci est un arbre ». Magnifique. Là, on va mettre un plus pour faire la concaténation, pour que tout ça, ça renvoie une seule et même chaîne de caractères. « Ceci est un arbre ». Magnifique. Si on met la virgule,
ce sera quand même compté comme deux chaînes et il va juste les espacer. Donc c'est comme si on mettait les deux paramètres dans le console log. Donc bref, alors qu'avec le plus, ça va vraiment faire une seule chaîne de caractères. Donc là, une seule phrase, ceci est un arbre, tout simple. Et là par exemple, on a mis une majuscule à arbre, donc imaginons qu'on veuille voilà, que ce soit bien une minuscule, et bien pas de souci. Vu que c'est une chaîne de caractères, on a ces méthodes, donc comme on l'a vu la dernière fois, to lowercase par exemple, et donc ça c'est la fonction qui nous permettra de tout mettre en minuscule. Et là donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ceci est un, on vient y ajouter à la suite le mot arbre qu'on va venir chercher dans la liste, qu'on met en minuscule, et donc c'est ça qu'on va mettre à la suite. Donc ceci est un plus arbre tout en minuscule, simplement. Donc ceci est un arbre. Et à la fin, on peut même rajouter un point. Magnifique. Comme ça, c'est parfait. Donc maintenant, on peut créer une autre liste. Par exemple, voilà, on commence à connaître la chaîne. Donc, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va mettre un ou deux éléments. On va se faire plaisir. Voilà, donc là, c'est parfait. Là, en l'occurrence, on a une liste où on n'a que des chaînes de caractères. Pourquoi pas? Enfin, c'est souvent que dans les listes, on a toujours le même type. On va rarement voir une liste où il y a un petit peu tout et n'importe quoi. En général, c'est soit que des nombres, soit que des chaînes de caractères, soit etc., etc. Donc, ici, on va pouvoir prendre, par exemple, un seul élément. Par exemple, le premier mot, donc la première chaîne de caractères. Et là, ça nous renvoie bien poulet, donc magnifique. Maintenant, comme pour les chaînes de caractères, on a les attributs. On a ici, par exemple, length. Et ça nous renvoie bien donc la taille de la liste, donc le nombre d'éléments. Et là, pareil, on compte pas à zéro. Là, ça nous renvoie vraiment le nombre d'éléments, donc 1, 2, 3, magnifique. Maintenant, imaginons voilà, qu'on est très fin, on veut rajouter quelque chose. Bon, ça peut arriver. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement prendre la liste et on va utiliser une de ces méthodes. Donc, on a vu les méthodes pour la chaîne de caractères, ici, to lowercase, etc. Et bien là, on a la même chose sur les listes. On a une méthode, par exemple, qui s'appelle push. Et ça nous permet d'ajouter un élément. Et donc, cette méthode, donc, qui est une fonction au final, on va lui passer en paramètre l'élément qu'on va ajouter. Donc, comme on l'a vu, une liste, ça peut contenir tout et n'importe quoi. Donc, on peut mettre un nombre, on peut mettre un booléen, mais en l'occurrence, on va mettre une chaîne de caractères. Donc voilà, on va ajouter notre mot. Et ensuite, on peut par exemple afficher la nouvelle taille après avoir ajouté notre élément. Donc au départ, on a 3 quand on n'a que poulet, dinde, canard. Et ensuite, quand on rajoute l'agneau, eh bien, on a 4 éléments tout simplement. Donc si on veut afficher toute la liste avec ces éléments, eh bien pareil, poulet, dinde, canard. Et ensuite, on a rajouté ici notre élément grâce à la méthode push. Donc de la même manière, on a aussi une méthode pour retirer un élément de la liste. Donc la méthode, ça c'est pop. Et inutile de lui passer donc des paramètres, vu que justement on n'a rien à ajouter, on veut enlever quelque chose, on n'a rien à mettre. Vu que la méthode pop, on la récupère depuis la liste, il sait déjà qu'on parle de la liste viande. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut exécuter, et là donc ce qui se passe, c'est qu'au début, ici on a déclaré notre liste, avec nos crochets puis nos éléments à l'intérieur. On l'affiche, donc on a nos 3 éléments. Ensuite, on vient ajouter un nouvel élément, il s'ajoute à la fin. Et ensuite, on vient le retirer, donc on n'a plus que 3 éléments comme on avait au départ. Donc pop, ça sert à enlever un élément. En l'occurrence, il enlève le tout dernier. Après là, comme pour les chaînes de caractères, on peut créer une liste vide, par exemple. Donc ça serait juste des crochets vides comme cela. Et donc si, par exemple, on affiche la taille de cette liste vide. Et donc, comme je dis, une liste, ça peut contenir à peu près n'importe quoi, même des listes. Donc par exemple, on peut avoir ici une liste de listes. On va l'appeler comme ça, par exemple. Donc là, on va retrouver nos crochets. À l'intérieur, on va mettre n'importe quel élément. Donc on va mettre, par exemple, nul. On va mettre un nombre. On va mettre, par exemple, un nombre décimal. On peut mettre une chaîne de caractères. On va mettre salut, et on peut mettre par exemple une liste. Donc là on va directement récupérer par exemple la liste qu'on a créée, viande. Et là on peut mettre aussi une liste vide par exemple. Et donc on va pouvoir afficher d'abord cette nouvelle liste. Donc là on retrouve bien l'élément nul, le nombre décimal, la chaîne de caractères, la liste qu'il est directement allé récupérer dans la variable viande. Donc derrière il y a bien la liste qui contient les chaînes de caractères de viande. Donc là il a pris la dernière version, celle où on a bien retiré l'agneau, donc on a bien comme au départ nos 3 éléments. Là, on retrouve bien ici pour les dindes canards. Et ensuite, on a également la liste vide qu'on a mise à la fin. Mais donc, imaginons maintenant qu'on veut accéder à un élément précis dans cette liste-là. Cette liste qui est déjà dans une liste à la base. Et donc, pour ça, on va devoir accéder à cette liste tout d'abord. Donc là, on va compter 0, 1, 2, 3. Donc, indice 3. Sauf que si on fait ça, on accède à toute la liste. Et nous, on voulait simplement un seul élément. Imaginons qu'on veut juste avoir la dinde. Et bien, pour ça, on va devoir rajouter encore un indice par-dessus. Donc là, c'est le second élément, donc indice 1. On referme. Et là, on accède directement à la chaîne de caractères qu'on voulait. Et si on avait eu encore une liste à l'intérieur, eh bien, on aurait rajouté des crochets, etc. Donc voilà, on les met juste à la suite et comme ça, on avance d'un niveau et on plonge dans la liste, dans la liste. Et donc pareil, si on veut accéder à la liste vide qu'il y a ici à la fin, on va aller chercher donc le dernier élément. On peut directement faire donc liste de liste.length, moins 1. Donc la length, ça va nous renvoyer les 5 éléments qu'on a. Donc tout ça, ça vaudra 5, moins 1, vu comme on a dit, on commence à compter à 0. Donc il faut décaler pour ne pas être en dehors. Et tout ça, ça nous renvoie donc la liste vide qui est à la fin. Et cette liste, on peut récupérer par exemple sa taille, donc son nombre d'éléments. Et vu qu'il n'y en a aucun, ça nous renvoie bien 0.
C'est comme la liste vide qu'on a ici. Maintenant, on va pouvoir passer à un concept très important qui est les boucles. Mais avant ça, n'oubliez pas que sur mon compte Instagram, je publie tous les jours un post sur le développement web pour vous aider à apprendre, donc que ce soit JavaScript, HTML, CSS, React.js et bien plus. Donc imaginons qu'on veuille, par exemple, ici, afficher un message dans la console. On va afficher, par exemple, celle. Donc là, on voit dans la console, c'est génial. Maintenant, imaginons qu'on veuille répéter cette opération. Imaginons qu'on va afficher, donc, cette fois-ci, 3 fois le message dans la console. Eh bien, on peut l'afficher ici 3 fois. Mais pour ça, on a dû, donc, copier-coller l'instruction. Donc là, on a un simple console log, mais si, par exemple, on a tout un bloc d'instructions, on doit récupérer le résultat, effectuer une opération dessus, afficher le résultat, etc., etc., et qu'on doit répéter ça plusieurs fois, on ne peut pas se permettre de tout prendre et tout copier-coller à la suite. Ça prendrait beaucoup trop de place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une structure de contrôle qui existe, donc qui va nous permettre de revenir à un endroit du programme, etc. Ce sont les boucles. Donc, on va tout simplement apprendre à s'en servir en JavaScript. Donc, une boucle, comment ça se passe? Eh bien, on a tout d'abord un début. Donc, il y a un moment où le programme, dans le programme, on va arriver à la ligne de la boucle. Voilà, on a des trucs, console log, etc., une fonction, une machin, etc. Au bout d'un moment, dans le programme, on va arriver à la boucle. Et donc là, les itérations commencent. Donc, les itérations, c'est justement quand on répète une opération. Donc, c'est un tour de boucle, quelque sorte. Donc, au début, dans une boucle, on va vérifier une condition. Et on a ça dans toutes les boucles. Imaginons qu'il y ait une opération qu'on veut répéter 10 fois. On doit vérifier que ce ne soit pas déjà la 10e fois qu'on est en train de le faire. Il faut vérifier que, pour l'instant, on n'ait fait que 5, 6, 7, 8 fois, etc. Mais pas encore 10. Donc, on vérifie toujours une condition. Si la condition est vérifiée, alors on exécute le bloc d'instruction qu'on va avoir. Puis, on incrémente. Donc, incrémenter, c'est faire plus 1. Donc, on dit qu'on a fait un tour de plus dans la boucle. Ensuite, on revient donc au début. Donc, au début, qu'est-ce qu'on a? On a la condition. Et on va répéter ça donc à chaque tour. On vérifie la condition. Oh, on n'a pas encore, on n'est pas encore au 10e tour. Donc, on exécute des opérations. On fait les calculs, n'importe quoi, on affiche un truc, etc., etc. On crée des listes, j'en sais rien. Ensuite, on dit qu'on a un tour de plus. Là, on est, imaginons, au premier tour. Voilà, donc on est à 0. On effectue les opérations. Incrément, donc on est cette fois-ci à plus 1. On est au tour numéro 2. Donc la condition, voilà, tour numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, est-ce qu'on est au 10e tour, 10? Oui, donc cette fois-ci, on n'est plus en dessous de 10. Donc la condition, cette fois-ci, n'est plus vérifiée. Donc la condition est fausse, donc on sort de la boucle. C'est la fin de l'exécution de la boucle. Donc on va voir maintenant à quoi ça ressemble en JavaScript. Donc par exemple, on va venir créer ici une variable. Cette fois-ci, on va mettre let, vu qu'on va pouvoir le modifier. On va l'appeler par exemple tour. Et ça va commencer à 0. Ça va calculer justement le nombre de tours qu'on a fait pour l'instant. J'appelle ça tour entre guillemets. Maintenant, on va créer notre boucle. Donc, on va utiliser pour ça le mot-clé while. Donc, c'est un mot-clé comme on l'a vu avec function, return, etc. Là, c'est un nouveau mot-clé qui permet de créer une boucle. Entre parenthèses, on va mettre notre condition. Donc, par exemple, tour est inférieur à 10. Là, on referme. On va mettre notre bloc d'instruction. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va venir afficher tour. Donc, ça, on peut l'enlever. Et on va préciser même, on va mettre tour, puis la valeur de tour. Donc, le contenu de la variable. Donc on a ici le texte, puis le nombre, le numéro du tour, justement. Donc là, on va venir lancer le programme. Et là, il vient de se passer quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, ici, tour est toujours inférieur à 10, étant donné que tour ne change pas pour l'instant. Donc ça vaut toujours 0. Donc finalement, on n'a aucune condition d'arrêt. La boucle ne s'arrête jamais. Donc on a ce qu'on appelle une boucle infinie. Et donc, en temps normal, le programme est censé, ce qu'on appelle, crasher. Et en gros, l'ordinateur plante, etc., etc. Bon là, le service nous a tout simplement dit, la commande a échoué. Ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps, oui, parce que ça allait prendre un temps infini. Donc, tout simplement, ce qu'on va devoir rajouter dans le bloc d'instruction, c'est que tour, on va l'incrémenter. Donc, on va faire tour égale tour plus. Donc, en gros, on va prendre la valeur actuelle et on va ajouter 1. Donc, au début, vu que tour égale 0, eh bien, à la place d'un tour, on mettra tour, donc 0. Au début, c'est 0, plus 1. Et donc, tour sera égal à 1. Et ensuite, quand on va repasser dans la boucle, on va remettre donc tour, cette fois-ci, ça vaudra 1. Là, on va recalculer, donc tour égale, donc on réassigne une nouvelle valeur, le 1. Plus 1, donc cette fois-ci ça vaudra 2. Donc là on mettra 2, ensuite tour égal, 2 plus 1, donc 3, etc., etc. Et donc cette fois-ci, si on réexécute, eh bien ça s'arrête au bout d'un moment. Donc au début on commence à 0, vu que tour on l'a initialisé, on a dit qu'au départ ça valait 0. Ensuite on arrive dans la boucle while, on vérifie est-ce que tour est bien inférieur à 10? Eh bien oui. Donc là d'ailleurs ça ressemble beaucoup à la structure if. Donc pour les if on avait donc le if à la place du while, donc le mot-clé, puis entre parenthèses la condition, puis le bloc d'instruction entre les accolades. Donc là, ça ressemble. Sauf que c'est une opération qu'on va pouvoir réeffectuer. C'est le principe de la boucle. Alors que le if, on l'effectue qu'une seule fois, justement. Et donc voilà, on commence tour égale 0. Donc ici, on affiche tour 0. Ensuite, on rajoute 1 à tour. Donc quand on va repasser, est-ce que tour est bien encore inférieur à 10? Bah oui, ça vaut 1, mais c'est encore inférieur à 10. Donc
on repart pour un tour. Donc on affiche tour cette fois-ci 1, ensuite on rajoute 1, donc cette fois-ci ça vaut 2, et ainsi de suite. Et donc on commence à 0, puis 1, 2, 3, etc. Et là on s'arrête à 9, parce que la question qu'on pose c'est est-ce que tour est inférieur à 10. Et donc si tour est égal à 10, eh bien c'est plus strictement inférieur, sinon il faudrait qu'on précise plus petit ou égal, là on a juste mis plus petit que, donc si c'est égal à 10, eh bien on sort déjà de la condition. Avant de faire un tour, on vérifie la condition. Si c'est vrai, eh bien on exécute. Sinon, eh bien on passe directement à la suite. Donc par exemple ici, je vais mettre console log sortie de la boucle. Voilà, on est sorti de la boucle. Si jamais je réexécute, il n'arrive qu'à la fin, tout simplement. Là, on va mettre car tour égal, et là on va juste mettre tour. Voilà, donc on commence tour égal 0, etc. Sortie de la boucle, car tour est égal à 10, tout simplement. Donc maintenant, ce code-là, il est très bon, il fonctionne, mais on va avoir plusieurs manières de l'optimiser. Déjà, premièrement, ligne 43, tour égal tour plus 1. Eh bien, il se trouve qu'en JavaScript et dans d'autres langages comme C++, etc., on a un moyen plus simple de juste ajouter 1. C'est en mettant simplement plus, tour plus. C'est l'équivalent de tour égale tour plus 1. Voilà, c'est juste pour ajouter 1, on peut mettre plus. Il n'y a pas ça pour plus 2, plus 3, etc. C'est juste si c'est plus 1. Plus 1, on peut juste mettre 2 plus et ça va incrémenter, donc ajouter 1 à la variable. Donc, bien évidemment, il faut que la variable soit un nombre, contienne un nombre. Et à ce moment-là, ça va juste ajouter 1. Parce que vu que c'est une opération qu'on fait très souvent, de ajouter 1, ajouter 70, forcément souvent. Par contre, ajouter 1, forcément dans les boucles, etc. par exemple, c'est très souvent qu'on s'en sert, donc il y a un petit raccourci, juste 2 plus et ça fait. Et donc là, si on réessaye, eh bien le résultat est le même, mais simplement on a quelque chose de beaucoup plus rapide à écrire. Maintenant, ça c'est en utilisant la boucle while, mais en fait, on a d'autres possibilités de faire une boucle. Donc par exemple, on va venir ici, ça c'est donc la boucle while, et là on va mettre la boucle for. Et ici, ce qui est différent, c'est que ici, ce qu'on a appelé tour, eh bien ce sera automatiquement calculé. On n'a pas à le définir nous-mêmes. Donc on va ici mettre for. Encore une fois, c'est un mot-clé. Là, entre parenthèses, on va mettre plusieurs éléments, pas seulement la condition, il va y avoir plusieurs choses à l'intérieur. Premièrement, on va mettre le nom de la variable qu'on va itérer, etc. Là, on va faire plus 1. On l'a appelé tour, donc on va continuer à l'appeler comme ça, on va dire. Let tour égale 0. Donc en fait, c'est comme on l'a fait ici. C'est la variable qu'on va venir incrémenter avec le plus. Sauf que là, ça se trouve directement dans la définition de la boucle. Voilà, là, on doit prendre une ligne pour définir la variable. Une ligne pour le while avec la condition, une ligne pour faire le plus, etc. Là, on aura tout en même temps. Donc, c'est beaucoup plus. Ensuite, en deuxième, donc là, on va séparer avec un point virgule les différentes instructions. La syntaxe est un petit peu complexe, mais en réalité, c'est assez simple. On va tout détailler. Donc, maintenant, on va mettre donc la condition. Donc, la condition, c'est si tour est inférieur. Dans notre exemple, hein, on veut répéter l'opération 10 fois, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire une fois qu'on a terminé un tour. Donc, on va juste incrémenter finalement tout pour signaler qu'on est à un tour de plus. Et donc, l'opération qu'on va exécuter. Donc là, c'est le bloc d'instruction, encore une fois. C'est console log, et on va afficher comme ici. On va faire exactement la même chose. Voilà. Tour égale tour, etc. Là, je vais préciser while, et là, for. Donc, on va pouvoir exécuter ça. Et là, on voit qu'on a la même chose. Donc, sortie de la boucle while, etc. Et là, sortie de la boucle for. Voilà. Donc, pareil, nous a fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sauf que là, au lieu d'avoir donc 3, 4 lignes, on n'en a que 2, 3. Donc, le principe est le même. Simplement, on définit la variable directement dans les paramètres de la boucle, en quelque sorte. Donc, voilà, en premier, on a la variable qu'on va venir incrémenter. La condition pour rester dans la boucle, pour faire un tour de plus, et l'opération qu'on effectue une fois qu'on a terminé un tour. Donc par exemple, on n'est pas obligé de faire plus 1. On pourrait faire tour égale tour plus 2. Et à ce moment-là, ça fait la même chose, sauf qu'on compte de 2 en 2 cette fois-ci. Donc on a 0, on commence toujours à 0, tour égale 0. Ensuite, on passe à 2, vu qu'au lieu de faire plus à la fin du premier tour, on a fait plus 2. Et donc ainsi de suite. Sauf que là, au lieu de juste faire plus 1, on fait plus 2. Donc bref, c'est un exemple, on peut faire plus 3, on peut faire moins 1. Et aller dans le sens inverse. Et du coup, là, il faudrait qu'on soit au-dessus d'un certain nombre, etc., etc. Également, j'ai appelé les deux tours, mais ça, c'est comme si c'était une portée privée, comme pour les fonctions. Il n'y a que cette boucle-là qui a accès à cette variable tour. Donc, ces deux variables-là, tour ici et tour-là, sont différentes. Celle-là, elle appartient au programme général, c'est la portée globale, parce qu'on l'a définie à l'extérieur de toute fonction et toute boucle. Et ça, ça appartient en quelque sorte à la boucle. Mais ça, encore, c'est un détail. Là, simplement, voilà. En général, la variable qu'on va incrémenter, on ne l'appelle pas tour, on l'appelle pour itération. Donc, on va appeler ici i. Let i égale 0. Tant que i est plus petit, eh bien, on va venir incrémenter voilà, en faisant plus 1. Et donc, voilà, while en anglais, ça veut dire tant que. Et for, ça veut dire pour. Donc, pour 10 fois, en quelque sorte. Bon, en anglais, ça a du sens. En français, ça en a un peu moins. Mais voilà, en tout cas, tant que, là, on comprend. Tant que tour est plus petit, eh bien, on répète l'opération. Et là, au final, le principe est le même. Sauf qu'on a une syntaxe beaucoup plus simple. Donc maintenant, on peut voir un autre exemple. Par exemple, on va créer une autre boucle for. Donc pareil, on va dire let égale 0. Pour indiquer à quel tour on est, on va juste faire par exemple 3 fois. Voilà, donc tant que i plus 3, eh bien voilà, on va incrémenter à chaque fois. Et on va juste par exemple afficher. Voilà, donc si jamais maintenant on lance le programme, eh bien simplement 3 fois, eh bien on a l'instruction qui est exécutée. Donc si jamais je mets une seconde instruction, eh bien là, on aura exactement la même chose.
on l'a également une fois l'un, une fois l'autre. Enfin, c'est ça, c'est tout le bloc qu'on a exécuté trois fois de suite, simplement. Parce qu'il faut que i soit plus petit. Et vu qu'on commence à 0, pareil, on a un petit décalage. Ça, c'est le principe de base des boucles. Donc, si on regarde bien, finalement, la boucle for, elle fonctionne un petit peu comme la boucle while, sauf que tout est écrit sur la même ligne. Donc, bref, donc le plus important, finalement, c'est while. Avec while, on peut faire tous les types de boucles possibles. Et avec for, c'est spécifique. Il faut qu'on ait un truc à incrémenter, etc. Donc, l'essentiel à retenir, c'est qu'une boucle, ça permet donc de répéter une opération x nombre de fois. Avec while, c'est tant qu'une condition est vraie. Et avec for, c'est un nombre déterminé de fois. Voilà, j'aurais pu faire une boucle while beaucoup plus simple, si jamais on vient ici. While, tant que condition est égal à false, donc je vais la définir juste au-dessus, let cond égale false. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que cond égale l'inverse de cond. Bon, cond, c'est un exemple, c'est juste pour dire condition. J'ai raccourci le mot. Donc, au départ, c'est faux. Et tant que c'est faux, eh bien, on va inverser. Donc ça permet de dire qu'à la place de cond, on va mettre l'inverse de cond. Et vu que la compte c'est false, donc c'est un boolean, eh bien on va prendre l'inverse, c'est-à-dire true. Et donc cette fois-ci, quand on va devoir revérifier, eh bien la condition ne sera plus vraie. Imaginons qu'on mette console log boucle, et là on vient exécuter, et on voit qu'il l'a affiché qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que au début c'est false, il vérifie si c'est bien faux, donc oui ça l'est. Donc il exécute le bloc d'instruction, c'est-à-dire il affiche dans la console boucle, puis il inverse condition. Maintenant ça vaut true. Et donc si jamais il revérifie la condition, cette fois-ci, ça n'est plus false. Donc on sort de la boucle. Donc c'est un autre exemple de la boucle while. Bien sûr, c'est des exemples très simplistes. Bref, donc comme ça, on a des exemples avec la boucle while, où là, on incrémente au final, donc on répète une opération à un nombre déterminé de fois, etc. Là, on a une boucle un peu différente. Le principe est le même, finalement. On vérifie une condition, sauf que là, c'est basé sur un booléen, etc. Mais finalement, le principe est le même. On a une condition, et tant que la condition est vérifiée, on répète l'opération. Et là, une boucle for, où celle-ci, c'est un peu comme le premier type de boucle while qu'on a vu, où c'est un nombre déterminé de fois, etc. Donc finalement, avec la boucle while, on peut à peu près tout faire. Alors qu'avec la boucle for, on peut juste faire le principe où on répète une opération nombre de fois. Bref. Donc au passage, celle qu'on voit de plus, finalement, c'est la boucle for. Parce que la boucle while, oui, on peut tout faire avec, donc ça c'est génial. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, si jamais on oublie de mettre cette ligne-là, eh bien la condition est toujours vraie. Et donc finalement, il va juste, littéralement, il va tourner en boucle à l'infini. Et donc le programme va planter. Donc pour éviter ça, eh bien, on utilise par sécurité la boucle for. Comment répéter une opération plusieurs fois en JavaScript? La boucle for. Et la boucle while, c'est celle générale qui permet de tout faire, mais qui peut aussi foirer plus fort. Donc maintenant, on va voir la boucle for off. Donc celle-ci, elle est un petit peu différente. Elle va nous permettre d'itérer à travers les éléments d'une liste. Donc en gros, de parcourir les éléments de la liste. Donc on va avoir à peu près la même structure, sauf que là, dans les parenthèses, on déclare donc la variable qu'on va itérer, la condition, et l'opération qu'on va faire à la fin d'un tour de la boucle. Et là, à la place, on va faire for const. Déjà, on va commencer par créer une nouvelle liste. On va dire const list, et on va créer donc une nouvelle liste avec les crochets, etc. On a vu ça tout à l'heure. On va prendre, par exemple, on va reprendre celle-ci. On va la prendre directement. Donc là, on a trois chaînes de caractères dans une liste. On a une liste avec trois chaînes de caractères. Magnifique. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va ici, par exemple, prendre viande, off, viande. Et là, on va avoir notre bloc d'instruction. On va venir tout simplement afficher là. Et là, je vais commenter ça pour pas que ça vienne nous déranger dans la console. Si jamais je viens exécuter tout ça, là, il manque juste une petite parenthèse. Eh bien, on a simplement nos trois mots qui viennent s'afficher. Nos trois mots qui sont nos trois chaînes de caractères, qui sont finalement nos trois éléments de la boucle. Donc, ce qu'elle fait cette boucle-là, c'est qu'elle vient juste parcourir les éléments de notre liste viande, qu'on appelle donc ici, et on vient ensuite exécuter le bloc. Donc, en gros, le mot-clé, c'est for. Voilà, on crée une boucle simplement. Sauf que dans les parenthèses, au lieu d'avoir la variable qu'on va itérer, la condition, etc., on a la liste qu'on veut parcourir, puis ça, c'est juste un nom qu'on va donner à l'élément en cours. Donc, c'est-à-dire, au début, il va commencer à parcourir, donc il va partir au début sur poulet. Et donc, à ce moment-là, viande, ça va prendre la valeur de poulet. Comme ça, dans la boucle, on voit ce qu'on va pouvoir faire avec. En l'occurrence, on veut juste l'afficher. Ensuite, on continue. On est toujours dans la liste viande, du coup. On passe à l'élément d'après, dinde. Donc, viande, ça devient dinde. Et on l'affiche. Donc, on affiche dinde. Ensuite, on passe à l'élément d'après, canard. Donc, viande, ça devient canard. Et vu que dans le bloc d'instruction, ce qu'on dit, c'est juste qu'on l'affiche, eh bien, pareil, on va afficher. Donc, pour celle-ci, la syntaxe est extrêmement simple. Elle permet de traverser la liste. Et chaque élément de la liste, à chaque tour, il serait mis dans la première variable ici. Mais donc, on peut même faire ça de manière récursive. C'est-à-dire que si jamais je viens ici et qu'au lieu de mettre console.log, je mets une autre boucle. Parce que là, viande, c'est quoi finalement? Dans notre exemple, ça va être une chaîne de caractères. Parce que notre liste viande au pluriel, elle contient que des chaînes de caractères. Donc, on peut refaire une boucle for off. J'appelle ça for off. C'est voilà, le nom qu'on lui donne de manière conventionnelle. C'est pas le nom officiel. Mais vu qu'il y a un for et il y a un off, bah, on la reconnaît comme ça. Donc, for const. On vient de le dire justement, viande, au final, ça va être une chaîne de caractères. Donc, for car, par exemple, on va mettre lettre, donc c'est que des lettres en l'occurrence, lettre off, viande. Et là, voilà, j'ai dit tout à l'heure aussi que
les listes fonctionnaient comme les chaînes de caractères au niveau des indices, etc. On peut appeler grâce à un indice. Voilà, c'est pareil. On va pouvoir, tout comme on peut parcourir une liste avec la boucle for off, on peut également parcourir une chaîne de caractères avec cette boucle. Donc, cette fois-ci, on va faire, c'est qu'on va venir afficher chaque lettre à l'intérieur de la chaîne de caractères. Et au début, on va simplement afficher chaque chaîne de caractères directement. Donc, si jamais on vient exécuter, là, c'est magique. On a donc, on arrive, on définit notre liste, viande qui contient nos trois chaînes de caractères. Magnifique. On arrive ensuite, 7, 68. On commence la boucle. On va parcourir la liste viande qui contient nos trois chaînes de caractères. Et chacun des éléments, on va le mettre à chaque fois dans la variable viande. Donc, oui, c'est const, mais il va quand même modifier, etc. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est comme si c'était redéclaré à chaque tour de boucle. Pas très grave. Donc, une fois à chaque tour qu'on a notre viande. Là, au début, on a poulet. Donc on commence au tout début. Eh bien, ce qu'on fait, là, on commence le bloc d'instruction. Donc, on dit qu'on va l'afficher dans la console. Donc là, poulet. Ensuite, dans le même bloc d'instruction, on a une autre boucle à l'intérieur de la première boucle. Et là, cette boucle, elle va itérer non pas à travers toute la liste des viandes, mais à travers une seule viande. Et là, j'ai appelé ça lettre parce qu'à l'intérieur, on a des lettres. On aurait pu appeler ça caractère ou j'en sais rien. Et là, c'est en fonction de l'exemple. Hein. C'est assez rare qu'on ait une liste qui va traverser des poulets et des dindes, mais là, c'est pour l'exemple. Au moins, on a l'image. Donc, là, on va parcourir encore un élément, sauf que c'est pas toute la liste, c'est seulement un élément de la liste. Et vu que c'est une chaîne de caractères, on peut aussi le parcourir. Donc, on peut avoir une boucle for off dessus. Si c'était un nombre, on n'aurait pas pu, on ne peut pas forcer un nombre. Mais là, pour une chaîne de caractères, tout comme si c'était une liste dans la liste, ça fonctionne. Donc, on va parcourir le mot en lui-même et on va venir afficher les lettres. Donc, en gros, il affiche au début tout le mot, puis les lettres une par une. On commence, on parcourt les viandes, donc on commence à poulet, on affiche P, O, U, L, E. On arrive à la fin de la chaîne de caractères, donc on sort de la première boucle, et là on sort même de la seconde boucle, enfin du tour en tout cas. Donc on sort de la première boucle, donc là on recommence un tour, vu qu'on n'a pas fini par contre pour viande, ça on n'a pas terminé. On n'a fait qu'un élément là. Et donc là on reprend, viande cette fois-ci ça devient viande, on affiche donc dinde, puis on parcourt la dinde. Donc on affiche les différentes lettres, D, I, N, D, E, et ainsi de suite, hein, jusqu'à avoir terminé le mot canard, et vu que c'est le dernier mot, on termine aussi toute la boucle. Donc on est sorti de... Bref, donc là aussi, je t'invite à faire pas mal de tests de ton côté pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Dans des exemples, tu vas parcourir une liste où il y a des, je sais pas, des nombres, vous allez afficher les différents nombres, etc., etc., pour vraiment avoir compris le principe. Avant de passer à la suite, donc le plus important, les objets. En t'abonnant à cette chaîne, tu recevras au moins une fois par semaine un tutoriel complet comme celui-ci sur le développement web, donc sur JavaScript actuellement. Mais on va aussi avoir des tutoriels sur les frameworks, etc., comme React, JS, etc., pour créer des sites complets. Donc, on va partir maintenant sur les objets. Donc, les objets, c'est un petit peu comme les listes. C'est aussi un type de données complexe, donc qui va contenir d'autres données à l'intérieur. Sauf que là, les listes, on avait tout, donc chaque élément les uns à la suite des autres. Là, pour les objets, on va avoir des clés qui vont référencer donc chacun des éléments. Donc, par exemple, quand on avait une liste, ici, on va mettre trois éléments. On va mettre A, B. Et donc, pour y accéder, on prenait donc le nom de la liste, puis l'indice. Donc, 0 pour le premier élément, 1 pour le second, 2, par exemple, pour le troisième. Donc, voilà, liste 2. Et là, on a bien, on va sélectionner l'élément à l'indice 2. Donc, vu qu'on commence à 0, 0, 1, 2. Donc, on pensait, et c'est ça qu'on affiche. Mais imaginons qu'on ne sache pas forcément où se trouve l'élément, à quel indice. Et bien, dans ce cas, on va avoir un objet. Donc, objet, ça porte le nom dictionnaire en Python, etc. Et là, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle une clé. Donc, oui, ça se définit avec des accolades à la place des crochets. Etc. Et donc, une clé, ce sera non pas un nombre, comme pour les indices, mais ce sera une chaîne de caractères. Donc, on peut mettre, par exemple, premier. Ensuite, on va mettre deux points. Et en face, on va mettre la valeur associée. Donc, dans notre exemple, c'était ABC. Donc, on va reprendre. Là, je vais juste copier-coller ça. Et donc là, voilà. Le principe est très simple. On va mettre notre deuxième clé. On va appeler ça deuxième. En face, on va mettre B. Et après, on va mettre, par exemple, troisième. Et là, on va mettre... Et ensuite, on referme avec une nouvelle accolade. Maintenant, si on veut accéder à un de ces éléments-là, on va partir, pareil, de l'objet. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre l'indice, donc le nombre, on va mettre la clé, donc la chaîne de caractères. Donc là, si je veux accéder, par exemple, la clé, c'est troisième, donc là, je vais mettre troisième. Et là, pareil, on accède bien. Si jamais, à la place, je mets deuxième, eh bien, ça nous renvoie bien B, parce que c'est tout simplement la clé qui est associée. On sépare la clé de la valeur avec deux points, on sépare les paires clé-valeur entre elles avec une virgule. Et on sépare donc tout l'objet, on encapsule tout l'objet avec les accolades. Donc voilà comment on accède à une valeur grâce à la clé d'un objet. Imaginons qu'on ait un personnage, j'en sais rien, Bob l'éponge. Si jamais on veut stocker les informations de Bob l'éponge, on va appeler par exemple Bob list. Là, on va avoir donc, par exemple, son nom, donc Bob l'éponge. On va mettre Bob l'éponge. On va avoir, par exemple, l'endroit où il vit, donc sous la mer, ça s'appelle comment, Bikini Bottom. Voilà, donc ça, c'est l'endroit où il vit. On va avoir son âge, donc j'en sais rien, moi, 110 ans. Pas qu'il ait 110 ans, mais c'est pas très grave. Là, voilà, vu que c'est un âge, on peut laisser un type number, par exemple. Donc voilà. Et là, on va mettre, par exemple, est-ce qu'il a un travail? On va mettre, par exemple, un booléen. Et là, on va ajouter, par exemple, la date de création de la série. Et donc maintenant,
Imaginons qu'on veuille afficher son âge à Bob l'éponge. Eh bien là, c'est bien, on a la liste. Là, on sait que c'est son nom. Là, on sait que la ville où il habite. Et là, des nombres, on en a deux. Donc, comment on différencie les deux nombres? Comment on sait où est son âge? Je pense pas qu'il ait 1995 ans. Ou encore moins 110, d'ailleurs, j'ai mis ça au pif. Mais on n'a aucune certitude de où se trouve la bonne information. Donc, on est censé deviner, bon, alors, c'est sûrement Bob List. Ça doit être peut-être le premier des deux nombres. Donc, 0, 1, 2, 1, 10, 2, ça doit être celui-ci. Et donc, à ce moment-là, on peut afficher bien l'information. Là, je vais masquer ça, pas que ça me dérange. Voilà, Bob a 110 ans, magnifique. Mais donc, comme j'ai dit, c'est pas très pratique de savoir donc quel indice précisément ça correspond, etc., etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va simplement utiliser une meilleure structure, un meilleur type de données. On va utiliser à la place un objet. Bon, le nom est un petit peu mal choisi. En Python, c'est bien, ils ont appelé ça dictionnaire. Et là, on comprend un petit peu le principe. C'est-à-dire que dans un dictionnaire, donc, on a le mot associé à sa définition. Ben là, c'est le même principe. On va voir la clé associée à sa valeur. C'est un petit peu plus logique en Python qu'en JavaScript. Mais le principe reste toujours le même. On a une clé associée à une valeur. Donc là, ce qu'on pourra faire, c'est qu'à la place, on va mettre const, on va mettre Bob cette fois-ci, objet. Et là, on va définir un objet à la place. Donc, on va mettre les accolades. Et là, on peut afficher ça comme ça pour que ce soit sur plusieurs lignes. Que ce soit pas juste tout à la suite. Donc, on va prendre, cette fois-ci, ce sera pas indice 0, mais ce sera le nom de la clé. Donc, on peut afficher ça par exemple nom, voilà, pour son nom. Et en face, on va mettre la valeur. Donc là, on va venir copier-coller ça, tout simplement. Ensuite, on peut mettre la ville, pareil, on va venir sélectionner ça. Là, on va mettre son âge, on va mettre donc type number, pareil. Comme pour les listes, il peut y avoir n'importe quel type en face des clés. Il faut juste que clé, ce soit de type string. Mais après, en face, il peut y avoir une chaîne de caractères, un âge, nul, un booléen, comme on va mettre là, même une liste, ou même un autre objet encore, à l'intérieur de l'objet. Il peut y avoir de tout, comme pour les listes. Là, on va mettre création, et là, on va mettre employé, truc, voilà. Et donc là, maintenant, pour accéder à une information, c'est beaucoup plus logique. Au lieu d'accéder à un indice, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, c'est juste un nombre, eh bien, on peut donc sélectionner le nom de la clé. Et là, c'est un mot, donc c'est beaucoup plus logique. Ça indique ce qu'il va y avoir dedans. C'est comme un nom de variable. Donc là, on peut mettre employé. Non, déjà, c'était quoi là? C'était pour l'âge. Donc on va prendre âge, on referme. Et là, pareil, sauf comment on a un mot et pas juste un nombre. Donc c'est beaucoup plus logique. Donc à la place, là, on peut mettre les informations sur une personne. Tu peux mettre tes propres informations pour t'entraîner. Aller stocker voilà, dans un objet avec le nom, la ville où tu habites, ton âge, etc. etc. Un booléen, tu peux mettre par exemple « et célibataire ». Et là, tu peux mettre « false »,« true », etc. Nourriture favorite. Et là, tu fais une liste avec tous les aliments voilà, sous forme de chaîne de caractères. Bon, pour moi, tu sais déjà à quoi ça va ressembler. Mais voilà. Et donc, comme ça, on a donc un objet. C'est beaucoup plus simple ensuite d'accéder aux valeurs. Alors oui, c'est un petit peu plus long à définir. On n'a pas juste tout en vrac comme ça. Là, c'est associé, voilà, c'est dans une paire clé-valeur. Mais pour y accéder par la suite, c'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà, un petit raccourci. Pour mettre le nom de la clé, on peut simplement mettre le nom de l'objet, point la clé. Et ça fonctionne aussi. Donc soit on met entre crochets et la chaîne de caractères, soit on met juste point et la chaîne de caractères, mais sans les guillemets du coup. C'est juste le nom, comme si c'était un nom de variable. Comme si c'était l'attribut length, par exemple. Pour les listes ou chaînes de caractères, il y avait toujours point length. Et bien là, pareil, on a point le nom de la clé, donc point nom, point ville, point âge, point création, point employé, etc. Et là, employé d'ailleurs, ce serait bien de ne pas avoir d'accent, donc on mettrait comme... Bah d'ailleurs, en général, on l'écrit en anglais, mais peu importe. Donc c'est le principe des objets. Et c'est également la fin de cette série.